En nage libre, le relais se court à 4 et à la fin, ce sont les Français qui gagnent. Depuis 2012, le relais 4 x 100 français a remporté toutes les compétitions internationales qu'il a disputées. Cet après-midi, ils n'ont pas dérogé à la règle. Dénominateur commun de toutes ces victoires, Fabien Gillot. Oui, ça a été une fois de plus une course très serrée, mais on était confiants de nos qualités et on savait qu'à domicile, chez les Russes, ça allait pas être facile. Donc on a essayé de prévoir le scénario idéal et c'est ce qui s'est passé. Un scénario qui leur a été d'autant plus favorable qu'Américains et Australiens avaient été éliminés en série. Premier nageur français, Mehdi Metella s'arrache et bat son record personnel pour transmettre le relais à Florent Manaudou en deuxième position. Le champion olympique du 50 mètres nage libre fait parler sa puissance. La France vire en tête lorsque Fabien Gillot s'élance à son tour. Dans l'ambiance surchauffée de la Kazan Arena, ce stade de football reconverti pour l'occasion, se joue alors un mano à mano entre Français et Russes. 11 000 spectateurs vont pousser leur protégé. Fabien nous avait prévenu, moi je l'avais vu aussi en série, quand dès qu'il y a des Russes, ça fait beaucoup de bruit. Et on s'est servi de ce bruit pour l'avoir pour nous en fait, et pour avoir un peu la hargne. On savait que les Russes étaient chez eux, ils avaient gros à perdre et on a joué un peu là-dessus. Ouais. Car Fabien Gillot puis Jérémy Stravius, dernier des relayeurs français, résistent jusqu'au bout. La France s'impose devant la Russie et l'Italie. C'est formidable avec les quatre relayeurs plus les deux de ce matin, Loris et Clément, donc on pense à eux. Et tous ceux qui nous soutiennent et qui font partie du relais depuis pas mal d'années. La France est la deuxième nation avec les États-Unis à conserver son titre mondial de relais 4x100 nage libre. La meilleure des manières pour commencer ces championnats du monde.